Salut sportif, c'est Hermano. Vous êtes sur la chaîne YouTube où je vous raconte mon quotidien de triathlète. Allez, oui, on change l'accroche. Je ne suis plus uniquement runner, même si pour l'instant, en termes d'entraînement, je suis plutôt duathlète, c'est-à-dire que je n'ai pas encore repris le vélo, ni même sur home trainer. Mais, triathlète un jour, triathlète toujours. Et 2020 sonne le retour à l'entraînement et en compétition de triathlon. Si tout se passe bien, donc. Je peux le dire, vous êtes sur la chaîne YouTube où je vous raconte mon quotidien de triathlète et ma préparation pour la saison 2020. Et peut-être qu'on rajoutera quelques petites choses dans le courant de l'année. Eh bien, nous sommes le 11 janvier, si je ne m'abuse. Petite forme aujourd'hui, hein. Samedi matin, pas très très bien dormi. Pourtant, on a fait un petit resto chinois avec mon épouse et le petit dernier hier soir. C'était très sympa, très bon, même en restant végétarien pour moi. Et je sais pas, j'ai vraiment pas très très bien dormi cette nuit. Il paraît que j'ai ronflé très fort et que j'avais une respiration assez saccadée et forte aussi, tout comme les ronflements. En tout cas, le réveil a été de bonne heure avec des douleurs au niveau du dos. Et ça, c'est souvent signe que la chaîne intestinale a beaucoup travaillé dans la nuit et que ça tire un petit peu sur, enfin pas un petit peu, que ça tire sur les muscles dorsaux qui sont pas encore assez bien solidifiés. Donc il va falloir travailler en dehors du coup de fourchette aussi sur la PPG et la préparation, le renforcement musculaire. Tout ça, ça fait partie de 2020, c'est dans le plan. Et d'ailleurs, en parlant de plan, je vous rappelle que incessamment sous peu, je travaille encore sur la page de présentation et de vente, vous pourrez, si vous le souhaitez, opter pour une formule de coaching que je vous prépare avec amour. Voilà, suivant vos profils, vos capacités et vos envies, et surtout vos objectifs, on pourra travailler ensemble. Bref, aujourd'hui, je me lance dans une sortie. Alors, comme c'est une petite forme, j'avais mal à la gorge au réveil. Je vais essayer, avant d'être vraiment malade et donc de faire une pause, de conjurer tout ça et de remonter les défenses immunitaires en allant faire un peu de sport. Donc, sortie calme, plutôt vraiment endurance. Je vais essayer de la faire entre 15 et 20 bornes pour essayer de, comme je l'ai dit, de remonter le niveau des défenses immunitaires et donc de conjurer ce petit virus qui est en train de venir faire un coucou. Sachant qu'il est déjà passé par la maison avec un petit dernier Mauro que vous avez vu la semaine dernière qui m'accompagne en vélo, qui a été malade, mon épouse qui a chopé une gastro et le grand qui n'est pas très très bien non plus. Donc si j'arrive à passer au travers de tout ça, je serai bien content, hein, parce que les virus courent plus vite que nous. Voilà, allez, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Salut les sportifs!